Bon matin! Est-ce que tu aimes ça manger des bonbons? Moi j'aime ça beaucoup, mais il faut faire attention pour pas trop en manger, sinon ça donne des caries sur les dents. Premier mot, nous. Nous. Deuxième mot, disons. C'est le verbe dire, première personne du pluriel. Disons. 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 Troisième mot. Que. Que. Quatrième mot. Trente. Trente. Essaie de revoir le nombre 30. Comment ça s'écrit? Trente. Nous disons que 30 bonbons. Tu as été capable d'écrire ça, bonbon, hein? Bonbon. Il y en a plusieurs bonbons. Qu'est-ce qu'on met à la fin? Un S, bien sûr. Mets une virgule après bonbon. C'est virgule, bonbon, virgule. C'est. Oh! C'est le même c'est que hier. On pourrait dire cela et beaucoup. Donc, c'est un C apostrophe. On a pris le cela, on l'a coupé. On met un C apostrophe et E-S-T. Nous disons que 30 bonbons, c'est beaucoup. Beau, hein? Pense. J'ai un beau cou. La girafe, elle a un beau cou. Beaucoup. Beau, B-E-A-U, hein? Comme tu es beau. Beau et cou. Mais là, c'est pas cou comme mon cou, c'est cou comme cou. Paf! Beaucoup. Comme beaucoup. Bang! Un cou, c'est C-O-U-P. Paf! Paf! Beau coup. Avec un point d'exclamation. Parce que c'est comme. Ah! Nous disons que 30 bonbons, c'est beaucoup. Je mets un point d'exclamation pour dire, hey, là, là, je m'exclame, c'est beaucoup. Corrige-toi. Puis, comment ça a été? Bonne fin de journée!